Помолимся, дорогие братья и сестры, о всех жертвах, о всех, кому сейчас с нами нет. Конечно, о Дарье. Пусть Господь сохранит, и эту благость будет ходить. Благословен Бог навсегда, ныне присно и во веки веков. Thank you.
Les amis, о, а можно погромче микрофон? Это уходить вовремя и тихо. Алло, хорошо. Бессильный вовремя. Хорошо, да? Да, хорошо. Крик. Без обид. И сожалею. Mettez-vous derrière ceux qui sont avec les drapeaux et les portraits de Daria, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Il est passé il y a exactement un an, 20 août 2022, une fille jeune qui nous a quittés à l'âge de 29 ans, une fille brillante, une fille active qui a parlé, qui parlait parfaitement français parce qu'elle a fait ses études, une partie de ses études ici en France à Bordeaux, qui suivait les études de son père, le travail de son père, et qui nous a quittés trop tôt. J'espère que Daria est avec nous, parmi nous aujourd'hui, il nous entend. Et je voudrais lui adresser la parole de la part de nous tous qui sont présents ici. Daria Alexandrovna Dugina, c'est au présent que je parle de toi en ce jour de 20 août 2023. Premier anniversaire de ton rappel à Dieu. Ce 20 août 2022, délâche ton hôtel à vie. Son sang retombe déjà sur nos ennemis. Mais si ton enveloppe corporelle a été meurtrie, ton âme et ton esprit restent intouchables. Là où tu es, tu protèges ton père, Alexandre Dugin, dont tu fus ce 20 août 2022 l'ange gardien. Tu soutiens aussi le peuple de Russie et son armée dans le long combat qui nous amène aujourd'hui à être ici, Français et Russes, communions ensemble en souvenir de ton sacrifice. Jusqu'à présent, tous ceux qui sont du côté du bien et apportent de la vérité contre toi, Daria, sont sous la menace des terroristes ukrainiens et leurs commanditaires de la SBU. Nous n'oublions pas non plus des sacrifices d'Alexandre Zakharchenko, de Vladlen Tatarski, qui était aussi ton ami, ni l'attentat contre Zakhar Prilepin. Les tueurs, nous ne ferons pas reculer et nous suivrons ton exemple jusqu'à la victoire. Ceux qui sont là aujourd'hui t'ont connu, aimé, admiré. Nous ne t'oublierons pas. Ton sacrifice pour ceux de l'accident des CAD serait d'un autre âge. Nous pensons le contraire. La guerre pour la civilisation est déterminante pour l'avenir de l'humanité. Il s'agit de bâtir un monde multipolaire où chaque civilisation, chaque croyance, chaque homme et femme sont acceptés et protégés. Notre loi et celle de Dieu, et non pas celle du marché. À travers tes écrits, tes conférences, ton implication totale dans le réveil de la Russie, tu es devenu pour toutes les femmes russes un exemple. Daria, tu resteras à jamais dans notre cœur.
Maintenant, je voudrais lire un poème d'Alexandre Pouchkine qui a été écrit il y a presque 200 ans, en 1831. C'est un poème qui reflète parfaitement la situation d'aujourd'hui. Les deux différentes époques, mais les mêmes choses se passaient déjà. Alors, je vais lire ce poème en russe, d'abord, en original, et après notre ami Laurent James, il va le lire en français. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собой, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Пермь, Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас, за что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы. За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир. И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. И старый богатырь, покойный на постели, не в силах возметить свой измалийский штык. И русского царя уже не сильно слово. И нам с Европой спорить ново. И русский от побед отвык. Или мало нас. Или от Перми до Тавриды. От финских хладных скал до пламенной Колхиды. От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая. Стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так отправляйтесь к нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Maintenant la traduction de la du poème de Alexandre Pouchkine qui était écrit en 1831. Aux détracteurs de la Russie, pourquoi donc tout ce bruit, ô rhéteurs populaires, et pourquoi de vos cris accabler notre terre? Peut-être parce que devant Moscou en flamme, de plier sous son joug cruel nous refusâmes, sous le joug de celui qui vous faisait trembler, que dans l'abîme, enfin, nous avons basculé, l'idole dont le poids écrasait tous les peuples. Et que de notre sang, alors, nous rachetâmes la liberté, l'honneur et la paix de l'Europe. Déjà, nous avons vu tellement de querelles. Les victoires ne nous paraîtront pas nouvelles. Sommes-nous peu nombreux de Perm à la Tauride et des murs du Kremlin, bien qu'ils soient affaissés, à la muraille encore dormante de la Chine? Quand se lèvera-t-il de fer tout hérissé ce grand peuple que meut la foi qui l'illumine? Envoyez donc ici votre imprudente engeance, ô vous, rhéteurs fielleux, dépités et méchants, qu'ils viennent retrouver dans nos steppes immenses leurs aînés à jamais endormis dans nos champs. Nous avons qu'une heure aujourd'hui. On a largement du temps. Nous avons aussi invité pour commémorer le sacrifice de Daria, chanteuse qui s'appelle Anna Vernov. Il va interpréter les chansons qu'on a traduites en français, la chanson « Donbass est derrière nous ». Je pense que Daria, il se battait beaucoup pour la vérité de ce qui se passe dans le Donbass.
Et cette chanson, elle reflète aussi très bien ce qui se passe là, en réalité. Anna, s'il te plaît. Oui, merci d'être là aujourd'hui. Nous avons, nous, les artistes, on est aussi dans nos combats politiques pour notre vérité. Vous savez, aujourd'hui, je suis française, mais j'ai du mal à parler parce que je vois l'injustice. L'injustice de Daria, pour moi, c'est pénible, ça fait mal. Nous avons enregistré la chanson qui s'appelle Danbas Zaname en français. Et aujourd'hui, cette chanson s'appelle La Marseillaise du Donbass. Cette chanson, nous avons sorti non seulement sur tous les distributeurs mondiaux, non sur Spotify, Deezer, toutes les fameuses YouTube qui n'apportent pas d'argent aujourd'hui aux pauvres artistes. Nous avons sorti le NFT, la collection de cette chanson, La Marseillaise de Donbass, pour que vous puissiez obtenir aussi votre collection comme collection de vinyle, CD. À l'époque, il y avait DVD, VHS, cassette. Donc aujourd'hui, je vous présente cette chanson. Vous m'excusez que je ne vais pas chanter en live pour deux raisons. Parce que malheureusement, on n'a pas totalement de matériel nécessaire parce que la chanson, elle est très compliquée. Et pour deuxième raison, je suis enceinte. Je ne veux pas faire embêter le bébé. Quand il y a la mort, toujours il y a la vie. Il ne faut jamais oublier ça. Protégez le Donbass aussi, soit le feu du ciel au milieu.
Les cartes de la carte. On va vous proposer les cartes de collection de ces chansons que vous pouvez obtenir sur le site Pianity Papa en Evernote, Marseillaise du Donbass. Merci. Aujourd'hui, ça coûte 10 euros. Ça permet de soutenir l'association et les actions de l'association. Et après, peut-être 2-3 ans après, vous pourrez revendre cette collection encore plus cher. Donc, on va vous distribuer ça. J'explique, c'est une collection qui pourra multiplier. Aujourd'hui, ça coûte 10 euros, mais dans 12 mois, ça peut coûter 60 euros. Après, vous pourrez le revendre à 150 euros. Et ça augmente, c'est comme les ventes aux enchères dans la musique. C'est tout nouveau. On fait ça avec le soutien de Blockchain. Qui est déjà dans le monde entier, qui existe. Vous pouvez l'acheter en crypto, ou en devise que vous préférez, en euros, en dollars, ou ce que vous préférez. Le plus important, c'est votre soutien, et merci, parce que tout ce soutien va pour les artistes, pour les actions des associations et des associations non lucratives. Merci, Anna. Merci pour ton attention. Merci beaucoup, Anna. Merci à tous d'être venus déjà. Donc moi, grâce à M. Gennady, je fais partie de l'association des Cosaques de France. Je suis ancien légionnaire. Je suis président de la Maison des combattants à Colombes. Donc je suis très heureux de pouvoir rendre hommage à cette jeune femme qui, après l'histoire que je connais, c'était une femme qui avait beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie pour la progression dans la paix. Donc, je meurs sa mort aujourd'hui et je suis très fier. Voilà. Et sachez que, en tant qu'ancien président des anciens combattants à Colombes, nous faisons des commémorations. Je serai très heureux de vous avoir. Comme dimanche prochain, nous faisons la libération de Colombes. Donc, moi, j'oublie pas de savoir. Que la Russie était là pour défendre la France. Donc vous êtes tous les bienvenus pour ceux qui veulent venir. Donc c'est à partir de 9h30 à Colombes, à la Maison du Combattant, pour ceux qui veulent. Et une dernière chose aussi, je vais mettre au point aussi, j'en avais parlé avec Anna déjà, alors à savoir que moi, l'année dernière, j'ai fait deux voyages humanitaires, en Ukraine en tant qu'ancien casque bleu. Et que là, on va mettre avec Anna au point. Là, pour l'instant, je suis en train de faire les travaux, de remettre la maison du combattant en état. Et à l'issue des travaux, je compte mettre en place un poste pour récupérer des colis pour le Donbass. Voilà. Et je serais très heureux d'avoir la chanteuse qui m'honore de venir chanter à l'occasion. En 2024, si c'est possible, parce que nous allons honorer aussi un ancien légionnaire qui a fait la guerre aussi, qui est mort pendant la guerre 14-18. Et nous faisons une stèle en 2024, fin 2024, juste après les JO, à Colombes, en son honneur. Et je serai très enchanté qu'elle vienne pour chanter, parce qu'il y aura la musique de la Légion étrangère qui viendra faire un concert la veille de l'inauguration. Voilà. Merci bien à tous. Merci Christophe. Merci d'avoir rappelé que notre association fait beaucoup de l'humanitaire. Nous avons déjà envoyé un convoi humanitaire au mois de mai et on continue à faire la collecte des dons. Le prochain convoi humanitaire va partir au mois d'octobre.
pour la première fois, nous avions un premier camion de 80 mètres cubes et on a apporté à peu près 10 tonnes de LED. Cette fois-ci, nous avons beaucoup plus. Nous avons, bien sûr, nous sommes une association indépendante et nous existons uniquement grâce aux dons. Et nous récoltons maintenant non seulement des dons en nature, mais aussi les dons financiers pour financer la route. Si vous êtes sensible à ce sujet, ça nous ferait beaucoup, pas plaisir, mais ça nous aidera beaucoup à faire ce convoi avec deux camions. Parce que nous avons vraiment beaucoup, on a 8 pays qui participent à la collecte des dons et on a 28 points de collecte. C'est la France, c'est l'Espagne, c'est Allemagne, Belgique, Angleterre, Autriche, Suisse et Bulgarie. Donc je vous invite tous à rejoindre notre site internet sosdonbass.org et nous rejoindre aussi. Je voudrais aussi passer la parole à Daria, que j'espère vraiment qu'il nous entend, qu'il est avec nous aujourd'hui. Daria, sois sûre que ton travail continue, ton sacrifice ne partit pas en vain, ne t'est pas fait en vain. Nous te soutiens. Ils soutiendront toujours. Nous sommes là avec toi et on soutient ton père qui continue le travail ici. Après cette manifestation, on va se rassembler au restaurant avec tous ceux qui sont inscrits et on va continuer à parler et à échanger entre nous. Maintenant, je voudrais vous distribuer des petites icônes avec le Jésus que j'ai apporté de Russie. J'espère que ces petites icônes qui étaient bénies vous protégera aussi comme elle nous protège nous. Merci. Tous, pour ceux qui ont réservé, bien entendu, on se retrouve tous à la cantine russe, 26 avenue de New York, excusez-moi pour la ville, hein, dans le 16e arrondissement. Voilà. Donc le rendez-vous est à 18h pour un apéritif et 19h-19h30 pour le dîner.